propose de vous rapprocher de la table avec votre oreille. Voilà. Parce que cette table va nous raconter une histoire que nous allons fabriquer ensemble avec nos voix, avec des bruits, avec les sons que Thibaut nous envoie et ce que l'on va pouvoir aussi inventer et transformer. Si c'est trop fort, vous le dites, hein. Le son, on l'entend avec les oreilles, quand on peut, quand on a des bonnes oreilles. Mais on peut aussi le sentir par la vibration. Vous connaissez tous les vibrations. Les vibrations des moteurs, par exemple. Ou les vibrations des travaux. Quand il y a des travaux dans la maison et que les murs tremblent, la vibration passe. Hein ? Oui. Essayez de sentir les sons, les écouter, mais aussi les sentir avec les mains, avec la poitrine, avec la tête. Il y a des moments où c'est fort, c'est exprès. Thank you.
sentir, oui. Sentir, comme ça. Tu sens ? Vas-y. Oui, sentir. Comme ça. Oui, voilà. Oui ? Vas-y, encore, encore. Oui. Avec le stylo. Oui, ça fait ? Encore, plus fort. Fort. Oui ! Comme ça. Allez, vas-y. Et donc, c'est le même système, sauf que là, la table, elle est, comment dire, elle est large. Hein, il y a de la place sur la table. Alors le son, il sort. Mais là-bas, il n'y a pas beaucoup de place sur la station. Il y a juste une petite médaille, grande comme ça. Donc le son, il ne sort pas. Et il est tout pour nous. Le son, il est conduit dans les os de notre corps. Bonjour, ça va ? Je m'appelle Nathan, et toi ? Tu fais quoi ? Tu écoutes de la musique ? Salut Sam ! Ça va ? Ah oui, ça va. C'est du pas mal. Bien, c'est à l'école ? Maintenant qu'elle écoute, dis-lui, est-ce que tu m'entends ? Est-ce que tu m'entends ? Voilà, elle a dit oui. Lui au moins quelque chose. Doucement, parce que c'est très fort. C'est très fort dans la table. Il y a des baleines, tout ça. Alors, déjà, le papier, c'est bizarre. Vas-y, dis-lui. Je parle de ta chou. Après, et que tu entends? Il y a des petites touches sur le côté là dans le doigt. Était une fois un petit chaperon rouge. Était une fois un petit chaperon rouge qui allait chez sa mère. Mère grand, qui partit dans la forêt. Très l'horizon. Très loin. Tout seul. Sans personne. Et à un moment,
Quelques minutes plus tard, elle rencontre le loup. Et ils discutaient entre eux. Et à un moment, le loup courra vite chez Mère Grand. Le loup entra, tira la clochette et dévorait Mère Grand. Qu'est-ce que vous avez des grands yeux, Mère Grand? Qu'est-ce que vous avez des longues oreilles? C'est pour mieux te voir. Qu'est-ce que vous avez des longues oreilles? C'est mieux pour t'entendre. Vous avez des longues dents? C'est pour mieux te croquer. Mita. Après un chasseur. Il y a un chasseur qui est venu dans la maison. Prendre un couteau et tuer le loup. Et trouvera le petit chaperon rouge. Au revoir.